Oh, je vais prendre la petite, mais moi, j'en vais prendre la petite, mais moi, non. Et avec les commissions, là. Et René, oui. Quelle heure il est? Il est 6 heures. Non, il fait jour. T'aurais pas une heure de retard ce matin? J'ai oublié de changer ma montre, monsieur Lagarde. Ouais. Il avait pas de lumière à son vélo. Oh, je vais prendre la petite. Toujours ce magnifique plan d'eau d'Artel. Donc on s'en va à Pictet. Le président est arrivé un peu en retard de la Diabolonie du Sud ce matin. Ça commence. Ah bonjour. Attends mais non. C'est 11h20, on est 32. Vous êtes là? Merde. Président, les gamins sont là. Vas-y. Ah bah ils sont arrivés eux. Allez yo. Pourquoi? Vous étiez en retard. Bah, René il est arrivé avec une heure de retard ce matin. On a traversé le Morvan nous. Nous on a fait de la route, on a commencé par faire un rallye dans les villages. Oh. Ah c'est à moi ça? C'est quoi? Des terreaux. Moi j'en veux pas, Des verres de vase, j'en veux pas. Bon, non, laisse ça, touche pas. Non, t'en veux pas, touche pas à ça. J'annonce encore aujourd'hui officiellement que je mettrai la quatrième branlée au portugais aujourd'hui. Voilà. C'est pas possible. Mais on va voilà, changer le mois prochain sur les chats. Non, ce sera pareil, tu vas la prendre pareil. Alors là, ça risque de chier. La buvette va être chaude ce midi. Voilà. Ça va être tendu là, ça va être bon là. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon et à la fin du critérium, il est toujours derrière. C'est la fin du bac, on paye les musiciens. Tu vas la prendre. Il faut le mériter, ça. Ah, excusez-moi, monsieur Lagarde. Il faut le mériter. Et tu ne peux pas faire gamelle, tu peux pas en gagner deux. Au mieux, tu vas en gagner qu'une. Oh, je vais prendre la petite, mais moi j'en veux une. Je vais jouer avec le vin, moi. Allez, alors, une petite démonstration de jonglage à la buvette le matin. Allez, hop là. Allez, double salto arrière. Allez, hop là. Suivant, Manet. Non, c'est Louisa. J'ai tellement froid que j'arrive pas à faire les 6. Le dernier coup, c'est parce que t'étais bourré, ça change. Et les 8 avec ta bouche, tu sais les faire, Thierry? Eh ben, le plus dur, c'est ça. Le chariot. Magnifique endroit. C'est pour le contrôle, monsieur. Non, j'ai trouvé, va te faire foutre, je te pose plus. Oh, le beau fouillis. Le beau fouillis superbe. C'est comme. T'as pu l'amorcer là. Ouh, ton amorce me paraît bien claire, Angélique. Oui, c'est de la diabolique aujourd'hui. C'est de l'amorce diabolique. Oui, un restant, on le garde précieusement. Ah oui, t'as rajouté quelque chose dedans. Peut-être. Non problème. Oh merde. Alors, ça te motive? Un peu, oui. Hey, j'espère que tu vas mettre une grosse branlée à ton voisin. Hein. Bah, j'espère mettre deux voisins comme t'es dedans, ah, ça me plairait. Ah, bah, un seul, moi, ça me plairait. Le deuxième, faut que tu le laisses un peu tranquille quand même. Ouais. Ouais, bah non. Si on peut, on va le faire. Eh ben, et que le meilleur gagne. Voilà, donc l'amorçage est fait. Je suis juste prêt, mais assez. J'ai mon aîné Kalel de l'autre côté, en face, sur l'autre secteur. Voilà. Et moi, je suis dans une dizaine opposée à la route. Donc, il a fallu marcher longtemps. Amorçage fait. 12,50 m de canne et les lignes, ben j'ai monté en réalité des fracs 0,10 et 0,40. Voilà, à tout à l'heure. Alors Foxy,
fidèle au poste, avec la maîtresse. Alors David, notre batte à frette. Comment ça prend rien? Je suis en train de prendre une branlée là encore. Il prend encore une branlée de portugais. Ça va être la quatrième de suite. Mais non, mais non. Voilà. Allez. Alors Nicolas? Bah écoute, pour l'instant je suis content. Je bats mon portugais. Mais bon, après, il y a du poisson, il y a de la touche quand même. Ouais, je pense. Ah oui, je suis là. Bon alors Jérôme. J'ai pris beaucoup de poissons la première heure, enfin 60 poissons, et puis une tanche. Et puis la deuxième heure, là ça revient un petit peu. Là. Ouais, ça s'est durci un peu pour tout le monde. Ouais, mais là c'était pas dur, j'avais pas tout le but. Ils vont faire ça quand une demi-heure après la tanche. Ouais, c'est peut-être des carnassiers ou des tanches. Alors voilà, monsieur Lagarde, il va soulever sa bourriche, sa grosse bourriche. Attention. À mon avis, ils vont peut-être réussir à casser un bout de canne ou un bout d'épuisette. Ah oui. Ça peut arriver, des fois. Très belle pêche, comme vous pouvez le constater. Oh là ! Oh oui ! Oh oui, là, attention. Attention, le peson arrive. Voilà. Oh. Oh 3040 grammes. Pour l'instant, c'est en tête. Monsieur Jérôme Lagarde part faire le GN. Pour l'instant. Voici la bourriche de monsieur Henri Perronnet. Personne très connue au Moulinet. Et le peson affiche 1580. 1580 avec l'aile Laval. C'est bon, mon Jean? Bon. Et voilà. Yes. Donc Jérôme Lagarde est premier et va aller participer au Grand National de la Nièvre. Voilà. Suite au prochain épisode. Cet après-midi. Ah, oh René, la branlée que je t'ai mis. Oh là. Alors Nico, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que le portugais m'a mis branlée et je suis très déçu. Très déçu. Alors comment ça se fait? C'est bah, que... je sais pas. Le fluide? Je l'ai pas vu sortir de poisson. Alors ah oui, il pas. En avait peut-être avant. Hein. Bah, est-ce que c'était des morues? Bah, je sais pas, mais... Parce que si c'est de la morue séchée, voilà. C'est qu'il y avait mis donc, avant. Là, je vais boire un Ricard, je regarde les lignes et après j'ai remis une stapatine. Bah, ça va. Et là, je l'annonce. Courage, David. Courage! Je serais pas ici dans ce secteur-là! Ah, c'est pas grave! Mais essaye de battre Daniel Forestier parce qu'il est très fort, Daniel Forestier! Alors, René, tu vas bien être obligé de me féliciter! Bah, j'ai pas le choix, mais vraiment, tu dois être cocu! Encore pris une tanche! Mais j'ai pas besoin de tanche pour gagner, tu le sais bien! Ah, sans la tanche, tu me bats pas! Si, parce que l'autre il me battait parce qu'il en avait une aussi! Mais c'est tout! Sinon, si personne en avait, je gagnais quand même! Hé! Hey, et moi j'avais pas l'aile! Moi j'avais pas l'aile. Ben oui, mais moi non plus, j'avais le 10. Ouais, mon genou t'avais pas l'aile. Mon genou cagneux, ouais. Alors, oh allez, on va aller au Grand National tous les deux, hein, elle est belle la vie. Tu fais combien du général? Je 3. 3? Qui c'est qui est devant toi? Toi, monsieur Lagarde, monsieur l'homme. Je dois être trop vieux quand même. La branlée que je t'ai mis. Oh là, attention, attention, un match dans le match pour cet après-midi. Il est 30. Je vais l'appeler moi. Alors les gamins,
Il y a deux concours. Tu as fait deux. T'as fait deux. Ouais, je fais deux. Bah, tu parles. Ah, oui, c'est le jeu, mon pauvre. Trois temps chalel. C'est la routine cette année. Et toi, mon Thierry? Ah, j'ai pas été très très bon. Et puis j'étais emmerdé par une perche que j'ai pris au bout de trois quarts d'heure. Et après, ça allait un peu mieux. Mais bon, au début, ça mordait beaucoup. Et moi, je prenais pas. Donc, c'était compliqué. Bon, alors cet après-midi, on fait quoi? Ah, bah, cet après-midi, ça va bien. Ça va gauler. Cet après-midi, on va essayer d'annoncer qu'on va gagner. Tiens, on va prendre des risques. Non, cet après-midi, ça va gauler. Et on fait tous le même bac cet après-midi? Oui, bah moi j'ai pris la diabolique. Allez, on va faire un bac. J'ai quand même un peu souffert avec les temps. Un bac qui prend des gardons. On va voir. Mais par contre, il y a un Ricard pour Jérôme. René, pourquoi tu me parles pas pendant les concours? Parce que t'es un chien. Il a pris exemple sur Bruant. T'es un chien. Tu veux toujours gagner, tu gagnes tout le temps. Je voulais te faire voir ma belle tanche quand je l'ai pris. Ah, mais je l'ai vu ta tanche, saloperie de tanche. Non, mais toute façon, tu m'énerves. Tu veux pas qu'on en parle? Non. C'est pas grave. Tu sais qu'il y a des cachets qu'il faut prendre le matin pour prendre des temps après la journée. Tu dois tout. C'est moi qui t'a tout appris à la paix. Oui, bah à mon avis, t'en as donné trop. Et puis t'as dû oublier des trucs en route. Ça doit se. Non, mais à mon avis, des poches percées. Quand on donne, on ne doit plus les avoir. Prenez la branlée que je t'ai mis. Oh là, oh là, oh là, oh là, attention, attention, un match dans le match pour cet après-midi.